Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon de conjugaison, le mode subjonctif. Quand est-ce qu'on emploie le subjonctif présent? Le subjonctif présent exprime une action incertaine. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Non réalisé au moment où nous nous exprimons. Il n'est pas réalisé. On n'est pas sûr qu'elle se réalise, même si on n'est pas sûr qu'elle va se réaliser. Ça veut dire incertaine. On emploie ce temps pour exprimer, par exemple en ce qui concerne les sentiments, pour exprimer le regret, la haine, la joie, la peur, la tristesse et la crainte. On emploie le subjonctif pour exprimer une nécessité. Il est nécessaire, une volonté, une obligation, obligée de, un ordre, un conseil, l'attente, la possibilité, un souhait, un désir, un doute et la préférence. Quand est-ce qu'on emploie le subjonctif? Après quel verbe? Je suis déçu que. Je crains que. Je déteste que, la haine. Je regrette que, le regret. Je suis heureux que, la joie. Je suis fâché que. Je suis ravi que. Il est indispensable que. Il est important que. Il est temps que, je suis content que, je tiens à ce que, il est possible que, pour que, j'aimerais que, je doute que, je désire que, je veux que. Tous ces verbes, après ces verbes, on utilise le temps présent du subjonctif. Terminaison du subjonctif présent. Les terminaisons du subjonctif présent, c'est « e »,« es »,« e » pour les trois personnes du singulier. Pour les deux personnes du pluriel, première et deuxième, regardez ici, c'est comme l'imparfait, « ions »,« iez ». Et pour la troisième personne, « ent ». Ça veut dire quoi? Première, deuxième, troisième et troisième pluriel, comme le présent. Première et deuxième personne du pluriel, comme l'imparfait. Regarde, il faut que je mange, que tu manges, qu'il mange. Que nous mangions, que vous mangiez, qu'il mange. Un verbe du premier groupe. Finir, un verbe du deuxième groupe. Il faut que je finisse, que tu finisses, qu'ils finissent. Que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Les verbes irréguliers du troisième groupe. Le verbe avoir. Le verbe avoir ne suit pas la terminaison du subjonctif. Que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit. Que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Aller. Aller, il change complètement du radical. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Allions, allier, aïe. Je répète. Aïe, aïe, aïe. Deux L, E. Allions, nous, alliez, vous. Aïe, troisième personne. Si on prend d'autres verbes du troisième groupe, je vais vous donner une petite règle très, très, très facile qui va vous aider à conjuguer au subjonctif présent. Les verbes du troisième groupe, qu'est-ce que je fais pour les conjuguer au subjonctif?
Verbe prendre. Je le conjugue au présent à la troisième personne du pluriel. Qu'est-ce que je vais dire? Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Je prends la troisième personne du pluriel du présent. Que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, nous prenions, vous preniez, ils prennent. Même chose, le verbe venir. La même chose, le verbe venir, je conjugue à la troisième personne du pluriel au présent. Ils viennent. Que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. Ah, un verbe irrégulier pouvoir. Il change complètement de radical. Puisse, puisse, puisse. Puissions, puissiez, puisse. Verbe faire, lui aussi. Fasse, fasse, fasse. Fassions, fassiez, fasse. Le verbe voir, non. Voir, 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 voyons, voyez, voir. Savoir, oui. Sache, sache, sache. Sachions, sachiez, sache. Et comme je vous ai dit, pour les verbes qui restent, tu conjugues au présent à la troisième personne du pluriel et à partir de cette personne, tu formes ton subjonctif. Rendre, ils rendent, que je rende, tu rendes, ils rendent, rendions, rendiez, rendent. Partir, au présent, ils partent. Partent, 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 partions, partiez, partent. Mettre, au présent, mettent. Mettre, 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 mettions, métier, mettre. Et voilà tous les verbes que je peux utiliser la règle que je vous ai dit pour pouvoir les conjuguer. Conjugue au subjonctif présent. Le professeur doute que cet étudiant, le verbe faire, qu'est-ce qu'on a dit? Fasse. Cet étudiant fasse eux. Tous les parents souhaitent que leurs enfants réussissent. ENT, 2SENT. Il faut que vous obéissiez. Je voudrais que vous travailliez. IEZ. Les acteurs sont contents que le public les applaudisse. Qui applaudit? Le public. Ce n'est pas les. Le public applaudit les acteurs. Les enfants, je ne veux pas que vous vous salissiez. Il ne faut plus que tu grossisses. 2SES. Nous désirons que vous interveniez. Pour qu'ils nous punissent. Je doute que nous arrivions, nous. Elle préfère que nous étudions. Ici, le verbe étudier, j'ai besoin de deux I, parce que I-O-N-S. Que vous compreniez, I-E-Z. Que tu tiennes, comme vienne, E-S. Que Sarah soit, c'est le verbe être. Ton frère guérisse, que nous échouions, I-O-N-S, qu'elle vienne, que l'on élargisse, 2-S-E, qu'il bâtisse, 2-S-E-N-T, et ainsi de suite, on fait tous les exercices, et merci de votre attention. Et à la prochaine.